Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'endroit où les angles de caméra laissent à désirer. La qualité d'image est abominable, mais où on s'amuse à jouer de la musique. Aujourd'hui, je vous présente la première guitare que j'ai eue de toute ma vie. Une guitare qui est, ma foi, excessivement endommagée, mais bon, je trouve que ça y rajoute un look. Bon, j'étais jeune, j'y mettais des stickers un peu partout. Ça, c'était le logo de mon premier groupe, fait au papier. Avec une feuille A4 que j'ai juste collée puis découpée. Ça, ben, c'est un Collins au York parce que pourquoi pas show off. Bon, comme on peut voir, même à la caméra, ça se voit à quel point c'est poussiéreux, à quel point les cordes sont rouillées, à quel point je prenais pas vraiment soin de mes affaires au tout début, quand je débutais à la guitare. Mais on peut aussi voir que ben, les cordes sont pas pétées. Ce qui est étonnant. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué sur celle-ci, fait que je voulais la réessayer. Malgré quelques fausses notes, parce que le manche est extrêmement plus court. Il est genre un tiers plus court que les autres guitares, fait que les frets sont plus courtes. C'est... Regardez. Mon doigt est plus gros. Puis, habituellement, les premières frets sur une guitare classique, tu peux y mettre trois doigts. Non. Pas ici. C'est basiquement une guitare miniature. C'est juste ça. Puis, oh mon Dieu! Ah, oh, c'est quoi ça? Aïe aïe! Bref, c'est un témoignage de mon passé. C'était la première guitare que j'ai jamais eue. Elle joue encore très bien, malgré qu'elle soit dans un état apocalyptique. D'où le fait que j'aie joué la musique de The Last of Us. Qui est un très bon jeu, je vous le conseille. Jeu sur PlayStation, exclusivement. Mais maintenant, je pense qu'on peut y jouer PC aussi. Ce fut un plaisir de redécouvrir cette guitare avec vous. Ça me rend quasiment émotif. Faudrait peut-être que je la ramène chez nous. Parce que là, je suis pas chez nous, je suis chez mes parents. Mais faudrait que je la ramène chez nous. Faut que je la retape, sérieux. Merci d'avoir visionné. Bye bye.